Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, comme promis hier, on va parler patchlog et jeu de mots en carton. Kevin a fait fort. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et si ce n'est pas encore fait également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Vous ne pouvez pas le rater, les amis. Il n'y a pas plus simple. Commençons tout de suite avec la fin de la roue de la chance. Je vous le rappelle, c'est le dernier jour. Il ne reste que 18h29 minutes et 17 secondes. Vous avez vu cette constance sur le record de mes vidéos. Il reste toujours à peu près 18h, un jour, deux jours, 18h. On est bon, on va la tourner. Allez, je parie sur des étoiles sur ce tour gratuit. Il faut que j'aille chercher, bien évidemment. Allez, deux étoiles, trop facile. Il me donne que ça, ce bâtard. On va faire les 5 tours tout de suite. Hein. Comme ça, c'est réglé. Je vais quand même faire le tour à 50%. On va voir ce que j'ai. De la pierre, c'est tout naze. Une sculpture, c'est déjà bien. Ça aurait pu me donner 8 sculptures. Donne-moi 8 sculptures. Ça fait, j'allais dire ça fait longtemps, mais non. La semaine, il y a 15 jours, tu me les as données. Bon, deux sculptures, c'est tout naze, ça fait 1800 la sculpture, 1900 la sculpture, et je fais mon petit tour à 400 pour améliorer ma renta. Est-ce que j'ai un truc tout naze? Une sculpture, ça améliore donc pour 4000. J'en ai eu 3, donc on est à 1300 la sculpture, c'est super cher, plus les 5. Donc là, bien évidemment, ça devient rentable, mais sans les 5, c'était un tirage en carton. Pour le reste, le royaume doré est là, l'honneur du royaume, finissez avec Mulan, hein, connectez-vous. Ça fait plaisir, les sculptures de Mulan. Mulan, excellent commandant de soutien. Et c'est tout du côté des events. Hein. C'est un petit peu, je dirais, calme, mais c'est normal. Hein. On va avoir le patch dès la semaine prochaine. Le patch, on y vient donc tout de suite. On en a parlé hier. On a vu ce jeu de mots en carton. Et regardez, avant que je clique sur confirmer, petit cadeau, vous le voyez. Derrière, on le voit en grisé, exclusif, fort VIP. J'ai reçu mes codes VIP. Le premier, ça va être simple, le premier qui va le voir dans la vidéo et qui va le taper, il aura gagné un code VIP. S'il ne marche pas, c'est que quelqu'un l'a tapé avant vous, les amis. C'est aussi simple que ça. Il y en a deux, je vous montrerai le deuxième un peu plus tard dans la vidéo. Attention, confirmé, on y va, c'est parti. Donc voilà, celui qui le tapera, qui a une bonne vue et qui va être rapide, un I2M2XQCGPJ. Celui-là déjà, il aura gagné une petite clé en or, 100 gemmes, des conneries comme ça. Ça fait toujours plaisir. Et il y a le deuxième juste en dessous, je vous le montrerai plus tard. On va dans favoris, mise à jour 1.0.56, le festin de Fabuleuf. Merci Kevin, le roi des jeux de mots, tu es trop fort. Le jeu sera mis à jour vers la version 1.0.56, festin Fabuleuf. Et je dis 2 Fabuleuf, le 2 je le rajoute, je ne sais pas d'où. Le 6 avril 2022, je vous le rappelle, hein, on est passé en heure d'été pour ceux qui ne s'en sont pas rendus compte et qui se rendent compte là qu'ils sont à l'ouest sur leurs horaires. Et bien donc, on a 2 heures de décalage sur l'UTC à présent. Autant la mise à jour, autant avant la mise à jour, vous pouvez télécharger vos données à l'avance via les événements pour obtenir des récompenses. Veuillez nous excuser pour la chaîne occasionnée. Pour nous rattraper, nous vous enverrons une récompense une fois la mise à jour terminée. Vous avez vu ? Il y a quand même une amélioration, il n'y a pas le 6-04-2022 environ. Là, ils se sont dit, c'est bon, il ne sert à rien le environ. Point 1, événement pack party, disponible une semaine après la mise à jour. C'est pack et nous vous proposons de nouveaux événements. Parade de pack, 7 jours de quête pour de grandes récompenses. Bonté du lapin, aider les lapins à préparer leur fête et à gagner des récompenses. Chasse au trésor, vous voulez gagner gros? Dans bonté du lapin, ok. Accumuler les œufs peints. Assaut de Céroli, ok. Protéger les ressources, ok. Tirage d'équipe. Piocher des cartes avec d'autres gouverneurs pour gagner de belles récompenses. Consultez le calendrier des événements pour un programme plus détaillé. Bon, là pour le moment, il faudra voir est-ce qu'on va récupérer la file à 7000 gemmes. C'est ça la grosse question. Va-t-on enfin récupérer cette file? On en rêve. Normalement non, puisqu'on devrait la récupérer que l'event encore après. C'est un event sur deux et sachant qu'au dernier on a eu la prière d'Esmeralda qu'on s'est fait carotte, normalement ça ne sera pas là. Amélioration point 2 des fonctionnalités et de l'équipement.
Alors apparemment, ça, c'est un truc de ouf. Depuis sa mise en place, le système d'équipement est devenu un élément essentiel et apprécié du jeu. Là, ils ne s'emmerdent pas, ils recopient ce qu'ils ont déjà écrit sur un ancien patch. Dans cette mise à jour, nous lui ajoutons un tout nouvel aspect qui modifie la puissance de certains équipements en fonction de la saison. De la saison, c'est la saison de KvK. Nous espérons que ce système, plus riche et plus flexible, vous permettra de dépenser plus d'argent dans Rise of Kingdom et vous plaira, bien évidemment, mais surtout de vous prendre plus d'argent. Point 1. Nouveau système d'équipement iconique. Suite à la mise à jour, le système d'équipe. Déjà, le iconique, là, il est cadeau ce mot-là. Suite à la mise à jour, le système d'équipement sera progressivement rendu disponible pour les royaumes qui entrent en saison 1 ou en saison ultérieure du royaume perdu. Les gouverneurs pourront utiliser des cristaux iconiques. Les cristaux iconiques, rien que je vois le mot cristaux, j'entends bundle et j'entends carotte, quoi. C'est tellement beau. Des cristaux iconiques et de l'or pour changer certains équipements en équipements iconiques. L'équipement iconique donne des bonus aux attributs de base des troupes en fonction de la saison du royaume dans laquelle se trouve le royaume. Là, les pay to win vont se faire plaisir. On va se faire péter la bouche d'une force. Laisse tomber. C'est pour le 1960, ça, le serveur 1960 ou les 60 GT. Nouvel événement, Forge de l'Artisan. Le système d'équipement iconique s'accompagne de nouveaux éléments dans Forge de l'Artisan. Terminez des quêtes pour obtenir des récompenses, dont des cristaux iconiques. Vous pouvez aussi acheter des cristaux iconiques au magasin du Canyon Perdu et à la boutique de saison de conquête. Les récompenses de l'événement Quête de Cristal ont également été modifiées. Certains accélérateurs ont été remplacés par des cristaux iconiques. Merveilleux. Il parle pas, on n'aura pas des bundles. Oh, je suis surpris quand même. Bien sûr qu'il y aura des bundles si vous étiez inquiet. Vous êtes dit, oh mince, ce mois-ci j'ai trop d'argent, faut que j'appelle Kofi Noga ou Cerise de Groupama. Eh bien, vous inquiétez pas, vous pourrez bien claquer toute votre thune dessus. Point 3, amélioration de Royaume perdu, conquête du désert. Alors là, je vais vous donner un petit conseil hein, pour Lilith. Hein, mettez pas amélioration, mettez juste patch débugage parce que là, c'est pas, il ne faut pas l'améliorer, là, il faut le refaire totalement. L'histoire, conquête du désert. Est déjà totalement éclaté et disponible dans certains royaumes. Suite aux commentaires des joueurs, nous avons amélioré Conquête du désert. Aux insultes de certains joueurs, pas aux commentaires. Suite à cette mise à jour, elle sera disponible pour tous les royaumes qui entrent dans la saison de conquête. Histoire Conquête du. Alors, ils vont nous faire comme la Marche des Âges. Hein. La Marche des Âges, on l'a toujours pas. Hein. Histoire Conquête du désert disponible pour tous les royaumes qui entrent dans la saison de conquête. Le point 1. Point 2, il se répète. Hein. Point 2. Ajout de nouveaux effets de bonus au point de contrôle de niveau 4. Les troupes qui entrent dans la mer de la mort par un point de contrôle de niveau 4 recevront un gros bonus de vitesse de marche. Là, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un KvK où on marchait et on ne se battait pas. Et c'était relou de ouf. Donc forcément, ils doivent mettre un gros bonus. Mais faut même pas mettre un gros bonus là. Il faut les faire courir, les troupes. C'est même plus de la marche. Point 4, amélioration. Ah non, point 3, accélération de la vitesse de marche des troupes acheminées. Point 4, amélioration de l'équilibrage de la carte, ajustement de la couverture en lieu saint et bastion. Point 5, réduction de la difficulté de certaines quêtes de chronique du royaume perdu. Ces améliorations seront appliquées dans la nouvelle version du royaume perdu, conquête du désert. Bon, ça sert pas à grand-chose, ce point 4. Rappelez-vous, hein, en général, on a les troupes de ouf qui sont dans autre amélioration. Point 8, 12, 20, ça dépend des patchs. Point 4, amélioration de événements. Amélioration de événements. Je suis pas sûr, hein. Là j'ai un doute sur l'orthographe. Champion de l'Olympe, nous avons ajouté de nouvelles cartes et amélioré les récompenses. Bonne bataille, récapitulatif des changements. Bonne bataille, comme ça me rappelle pour les anciens kickboxers, hein, avec Miley, Bang Bez. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Point 1, la nouvelle carte Canyon de l'Écho, nuit, est disponible. Attaquez le voleur de feu quand il apparaîtra dans le Canyon de l'Écho pour gagner des bonus pour votre équipe. Sympa. Point 2, récompense améliorée. Les coffres de choix de matériaux d'équipement peuvent désormais être échangés, blabla. Protéger les ressources. Nouvelle récompense, armée jusqu'aux dents. Ajustement du niveau de difficulté et augmentation de la limite de niveau d'étoile de 25 à 30. Déjà, protéger les ressources, c'est chaud, mais là, à 30, ça va être très tendu. Quand vous atteignez 20 étoiles, vous pouvez récupérer toutes les récompenses hors classement. Super. Désir du cœur. Je ne vois même pas ce que c'est, le désir du cœur.
L'événement Désir du Cœur commencera lorsque la taverne légendaire sera disponible. Les gouverneurs pourront sélectionner leurs 5 commandants préférés parmi une sélection et recevoir des coffres spécialisés. Ouais, c'est un nouvel événement alors. C'est un coffre spécialisé contenant de nombreuses récompenses personnalisées qui peuvent être débloquées à l'aide de clés souveraines. Ok, on va voir ce que c'est. Ça a l'air en tout cas prometteur. Potentiellement, on peut avoir du lourd là-dessus, mais on peut avoir de la carotte aussi. Autre changement, voilà. Normalement, c'est là qu'ils mettent des trucs de ouf. Ils les cachent dans autre changement. Autre changement, il y a combien de points? Voilà, il y a 6 points. Normalement, Lilith aime bien faire ça. Hein. On vous cache des petits trucs, des petits cadeaux. C'est pour eux, c'est pour moi, ça fait plaisir là-dedans. Point 1. Ajout d'un avis pour saison de conquête à la fin de saison 3, Lumière contre Ténèbres. Les gouverneurs sur le point d'entrée dans la saison de conquête pourront en voir un aperçu. Bon, là, ça ne sert pas à grand-chose. Point 2. Ajout de la possibilité d'annuler les matchs d'entraînement du tombeau Osiris. Bon, ok. La question, c'est si on annule, est-ce qu'on récupère les gemmes? Parce que ça coûte des gemmes, un match d'entraînement. Point 3. Ajout de quête de succès maître et commandant. Pour le moment, pas de carottes, tout est bon. Point 4. Modification du nombre de troupes redonnées grâce au parchemin de retour de troupes dans l'événement guerrier impitoyable. Chaque parchemin de retour de troupes redonne désormais 1% des morts avec un minimum de 5000. Si je dis pas de bêtises, ce parchemin, je vous avais parlé dans une autre vidéo, c'était un parchemin de carottes, il ne redonnait que 2000 troupes par 2000 troupes. Alors vous pensez bien, quand vous aviez 1 million de morts, 2000 troupes, c'était une belle carotte. Là, 1% au minimum, 5000. C'est pas terrible du tout, mais c'est déjà beaucoup mieux. Ça double au minimum, plus de doubler au minimum ce que ça rend. Donc, c'est un effort bon, assez notable, je dirais. Point 5, modification de l'avis pour l'événement le plus grand gouverneur. Les récompenses personnalisées apparaîtront dès ans. Non, mais franchement, là, ça veut pas dire grand-chose. Soit je sais pas lire, soit ça veut rien dire. Modification de l'avis pour l'événement, point. Modification de l'avis pour l'événement le plus grand gouverneur. Point. Les récompenses personnalisées apparaissent désormais. Désormais quoi? Enfin, tu finis pas une phrase par désormais, Kevin. Point 6 et le dernier. Modification de la méthode d'acquisition du thème Lotus caché. Il ne peut plus être obtenu dans l'événement Victoire en main, mais peut désormais être obtenu dans le nouvel événement Gloire de la bataille. L'événement Gloire de la bataille ne sera disponible que pour les gouverneurs qui créent un nouveau personnage dans les royaumes mis en ligne à partir du 9 avril inclus. Ce changement sera sans effet sur les royaumes mis en ligne avant cette date. Bon, on ne pourra plus récupérer pour les nouveaux joueurs ce nouveau thème de Lotus. Il faudra passer par Gloire de la bataille. Voilà, c'est tout. Nous serions ravis de connaître votre avis. À mon avis, vous allez prendre pas mal d'insultes là-dessus. Voilà pour ce patchlog avec ce fabuleux festin. Là, ils auraient pu s'en passer. C'est déjà pas mal. On va bien voir ce que ça donne. J'espère qu'on va récupérer la deuxième file à 7000. Mais ça parle pas du store, donc je pense qu'on l'aura peut-être pas. C'est probable qu'on l'ait pas, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, c'est décalé, c'est un mois sur deux et on s'est fait carotte par la prière d'Esmeralda. Les amis, je voulais vous parler d'un petit trash talk en ce moment sur le Facebook que j'ai vu passer durant la nuit. Regardez, c'est suite à ce message du leader du 1846, hein, Laguna pour ne pas le citer. Regardez, c'est assez simple. C'est suite à leur KVK, Laguna envoie un mail de royaume en tant que roi à tout le monde où il explique que ceux qui n'atteignent pas un certain palier, il y a des objectifs quand vous êtes sur les gros royaumes, pour ceux qui l'ignorent encore. Quand vous êtes sur un gros royaume, avant chaque KVK, vous avez des objectifs de kill point et des objectifs de mort. Si vous ne les atteignez pas, c'est simple, vous avez des pénalités. Et là, regardez, il y a des pénalités pour ceux qui n'atteignent pas les 25% d'objectifs en termes de morts. Et pour les plus de 90 millions, c'est les 60% de kill point. Et il va y avoir des objectifs, ils vont devoir perdre de la puissance, ils vont devoir sûrement donner des ressources, etc., etc., au risque sinon de se faire zéro. Certains trouvent ça scandaleux, il est où le jeu, patati patata. Franchement, c'est tout à fait normal. Déjà, dites-vous bien que ce sont des serveurs où la majorité des joueurs mettent des milliers ou des dizaines de milliers d'euros par an, si ce n'est par mois pour certains, dans le jeu. Donc déjà, les mecs, ils ne sont pas là pour plaisanter, ils jouent leur life. Ensuite, si vous voulez un royaume compétitif, vous êtes obligé de faire comme ça, d'épurer et d'avoir que des joueurs qui s'investissent
à la hauteur de tous les autres, tant en temps de jeu, tant en objectif, que même en thunes. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, un jeu qui est très axé pay to win, comme beaucoup de jeux comme Rise. Donc, rien d'anormal de mon point de vue, il n'y a pas de quoi crier au scandale. Alors, oui, ça peut choquer, oui, certains disent il n'y a pas de fun, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, mais tous ceux qui vont sur le 1254, le 1846, le 1556, le 1365 connaissent les règles et savent qu'il y a des objectifs, ils sont donnés avant le KVK et connaissent les sanctions. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous investir comme un ouf, à vous zéro à chaque KVK, à perdre des millions de troupes à chaque KVK, n'allez pas sur ce genre de serveur. Vous allez tout simplement vous faire zéro. Donc vraiment, j'insiste, c'est tout à fait normal. Et vous savez que je suis pas du genre à défendre le 1846, mais là, pour le coup, c'est rien d'anormal là-dedans. On continue d'ailleurs sur les KVK, les amis. On va pas aller voir celui du 1846. Je crois qu'il est fini, en tout cas, il est sur la fin. Et non, il n'est pas fini, mais il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Rappelez-vous, dans les KVK de saison 2, je vous ai parlé de plusieurs KVK, notamment de ce petit KVK prometteur, le S2 1055 et ses 5 royaumes Imperium de saison 2. On est à plus de 5 jours, les portes de niveau 4 n'ont toujours pas ouvert, mais ça ne devrait plus tarder, hein. On devrait l'avoir normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ça va ouvrir samedi, donc samedi, on sera au rendez-vous. Je vous ferai sûrement des records et on en reparlera dès la vidéo de lundi, les amis. Dans les autres KVK qui sont à suivre, bien évidemment, on a les KVK en l'UD8. Les autres, on ne peut pas les suivre. Ils ont de la brume. Ça, c'est clair. C'est vraiment relou, hein, la brume. C'est Satan. Et on a le KVK, notamment avec le 10-34, hein, qui est à présent à 22 jours, 5 heures, 46 minutes et 34 secondes, très précisément. Hein. On y retourne, les 1V ont fait un ménage de ouf, hein, on l'a vu. Il va y avoir l'ouverture des Terres du Roi, ils se sont tous installés. Normalement, on devrait être, si je ne dis pas de bêtises, hein, on est à 2 ou 4 jours de l'ouverture des Terres du Roi. Alors, vous voyez, hein, ça c'est bien installé. On va. Non, non, on est plus tard que ça parce qu'avant, on a l'ouverture des portes de niveau 6. Hein, je vous ai dit une bêtise. Hein. On va avoir les portes de niveau 6, c'est elles qui vont ouvrir dans 2 ou 4 jours. J'avais oublié qu'on était sur cette map qui est coupée ici en lutte des 8. Hein, je vis dans le passé, les amis. Et donc, on va avoir ce combat qui devra arriver très prochainement. Donc, normalement, c'est à 24 jours. Donc, c'est dans 2 jours que ça va arriver. On va voir comment ça va se positionner, sachant que les 1V et leurs alliés, si je ne dis pas de bêtises, contrôlent toutes les zones sauf Shiki. En Shiki, c'est vraiment contrôlé par les 64. Ça va être très tendu pour eux de gagner ce KVK. Les 1V ne plaisantent pas. Est-ce qu'ils sont remontés à puissance? Ils étaient à 19 milliards. 200 millions, et regardez, ils ont repris 400 millions de puissance. Donc, ça crée des troupes en masse sur le serveur 1034. Franchement, ce serveur, il est vraiment énormissime. Et en parlant donc du 1034, on retourne sur le 1256. N'oubliez pas, les amis, on a la finale de la Ligue Osiris et les paris. Les paris, ça sera demain. Les amis, on va en parler avec d'autres choses, hein, bien évidemment, parce que les paris, on ne va pas y passer toute la vidéo. Donc, on va avoir la cote qui sera fixée. On a un rapport de x6 pour le moment en faveur des 60 GT. Ça peut encore augmenter comme ça peut encore diminuer. Ce n'est pas fiable. Beaucoup de joueurs parient le vendredi et le samedi. On va voir ce que ça donne. Et pour finir, les amis, vous le voyez, hein, on n'a plus l'inscription au KVK à présent. Hein, il n'y a plus l'icône, tout simplement. Eh bien, on va s'inscrire normalement, nous, sur la session du 18 avril. C'est ce qui a été donné par notre 3. On est en fin de vidéo, les amis. Je n'ai pas oublié le second code VIP. Je vais vous le donner tout de suite. On retourne dans Système, Exclusif en VIP, le premier. Donc, encore une fois, I2M2XQ. CGPJ, si vous avez regardé la vidéo en entier, c'est trop tard, quelqu'un l'a déjà tapé. Attention pour le second, on est sur I2, TQK 98, APK. Bon, APK, c'est facile, on se croirait sur Android, I2, TQK 98, APK. Vous pensez qu'I2, il a voulu me faire passer un message? Kevin, tu vas avoir des gros problèmes.
Voilà, j'espère que ce sera deux d'entre vous différents qui auront eu ces codes. Si vous le tapez et qu'il indique qu'il est déjà utilisé, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui a été plus rapide que vous. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est vous qui l'avez eu, les amis. Ça fait toujours plaisir. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Make their head drop.